Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde. C'est un plaisir aujourd'hui hein, pour m'avec vous pour me présenter une émission parlant mon éditorial avec Yannick. Nous avons bien longtemps là, c'est tendé n'a tendé nos paroles. Eh bien, c'est pas problème qui résout, mais son effort en plus consenti là pour me faire pour me capoter émission pour nous. Situation pays a toujours été de même, problème gaz a toujours perduré, mais me décider pour me faire un effort surhumain pour me caler avec aujourd'hui hein. Dans l'idée pour travailler là, puis bien fait. Bon, on va nous parler aujourd'hui qui est extrêmement important. Sous te connais déjà m'a rappelé li, mais sous pas te connais m'bral dou li. Majorité politiciens haïtiens qui fait politique ici, yo fait des cabesses dans ti sousou, yo fait des cabesses dans niche bot blanc. Tendez bien. Pour ça passé hier à monsieur dame Akor Mondana yo, faut politiciens haïtiens depuis matin la bonheur bonheur depuis hier soir faut que yo ta tout remettre démission yo dans question faire politique en Haïti. Son gros honte et pas rien plus gros honte que ça. M'bral bon détail sous ça passé a. Département d'État américain mettez sous liste près de 12 acteurs politiques et économiques haïtiens qui en relation qui a financé gang qui a financé insécurité en dedans pays. Et depuis le secrétaire d'État américain Anthony Blinken il fait déclaration ça on dit fait qu'il levait en dedans palais national. Bral bon détail puisque là gagné deux noms officiels qui a circulé faut qu'on connaît exactement qui est sur yé. Donc, préparons, nous prenons le pays, nous prenons le faire débat dans un petit moment. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Rentrer sous secrétaire d'État américain Brian Nichols qui rentre en Haïti là, li traîner d'elle on pile un paquet déception, humiliation non seulement pour Haïti, pour haïtien avec un paquet acteurs politiques, qui fait politique dans pays hein. Comment comprendre nous grand monde là caillou ou gen caillou nèg après étranger après rentrer, y a vinn faire festin, y a vinn faire fête, vinn faire mariage, communion, baptême ou pas au courant. C'est nos bouche mou nous connaît étranger après rentrer vinn faire fête la caillou. C'est nos bouche mou nous tande étranger après rentrer la caillou vinn faire rencontre. Et bien c'est exactement premier lot humiliation tiré Sénat Joseph Lambert comme président Sénat prend un moment n'a pas lié là. Comment faire comment pour comprendre que des décisions qui prend par bon côté États-Unis pour voyer un émissaire américain dedans pays. Vinchita pour dialoguer, Vinchita pour mettre différents protagonistes sur même table, pour chercher une entente, pour chercher une solution avec problème politique en dedans pays. Et puis moun nou gagne qui légitime, moun nou gagne qui bénéficie de un minimum de légitimité en dedans pays. Et puis moun sa pas au courant de réunion, moun sa pas au courant que blanc vient faire rencontre. C'est tendez, yo pas invité au dans réunion, yo pas invité au dans table ronde. Ça veut dire qui ça? Premièrement, ça veut dire que États-Unis dans moment là, la cherche en entente, la cherche une négociation, mais c'est entre moun qui pas gagné aucune légitimité. Ariel Henry peut-être pas pas légitimité, pas même besoin parler de protagoniste qui fédéré quoi à Montana Pengri. Donc comprenez bien. Là, sous forme de coup d'état que même communauté internationale l'a orchestré. Soit yon retire Ariel Henry, yon metton l'autre groupe qui pari légitimité. Soit yon agence Ariel Henry avec yon l'autre groupe qui pari légitimité pire. Donc là, Joseph Lambert, Zadolik l'a pris calotte la mezi vigil, Joseph Lambert li pren frappe l'an, tire Sénat pren frappe l'an. Et yon pas réagi. Yo pas réagi pour ta wè, au moins yo bon comportement qui hostile par rapport avec étranger hein, par rapport avec délégation américaine ça qui débarque là qui a rencontré acteur politique qui a rencontré politicien. Oh, c'est nous même qui gagne légitimité en Haïti, c'est nous même
C'est nous-mêmes, n'importe gens ça qui au moins te café voir nous passer et puis yo pas invité nous, nous pas réagir pour nous montrer les frustrations, nous pour dire parce que yo tellement peur blanc. Yo tellement en boîte blanc, yo tellement pas vle pour blanc prendre décision contre yo, c'est pas contre pays, non contre yo. Donc tout le monde obligé courber baisser tête yo en bas décision blanc prend. Mais qui doit Brian Nichols gen? Qui doit Brian Nichols gen? Qui est-ce qui bali toute légitimité ça, toute autorité ça? Non, non, quand qui fait hier soir, là, il rentre pour deux jours. Il rentre hier mercredi, jeudi, jeudi, il a continué à faire des rencontres, il a continué à rencontrer des acteurs politiques, des acteurs économiques qui ont mon paro pour dire notre problème Haïti. Tendez bien, oui. Brian Nichols, il a décidé pour faire une rencontre avec Ariel Henry, qui est actuel chef de gouvernement. Il a décidé pour le rencontrer avec différentes structures, à Montana, Pengré. Tendez bien, oui. Mais pas oublier à Montana, yo te fait élection. Mouna à Montana, yo, 30 janvier, yo décide yo rentre dans un petit jean motel, yo fait élection, yo élu yo président transition, yo mette un premier ministre transition. Ça veut dire, si yon parle de à Montana, après élection, te fin fait bien de élu ça, yo. Vous comprenez? Kounye a gagné un bureau suivi accord, yo fait qui gagne la dedans différents représentants parmi yo, gen Magali Komodeni, gen Ted Syndic, qui yo même yo toujours devant toute négociation, tout et dialogue qu'a fait, c'est yo même qui représente à Montana, c'est yo même qu'a fait suivi. Mais depuis quelque temps nous avons une division nous qui pété en dedans à Montana et qui s'acrivé, c'est que monsieur et dame qui constituent le bureau suivi à Montana, ça n'est le BSA, yo même yo très catégorique sous décision yo. Yo wè, si gon négociation qui pou fait avec Ariel Henry, c'est faut gon président, faut gon premier ministre. Question pour Ariel, c'est lui même, c'est pouvoir monocéphale, et bah comme ça. C'est bicéphale, faut gon président, faut gon premier ministre. Mais Ariel lui même qui très catégorique, Ariel dit li pa gen autorité, li pa ka décider pour gagner. Yon pouvoir bicéphale, pour qu'on pouvoir de tête. Eh bien, qui s'est passé? Étant donné, Fritz Jean lui-même, ce n'est pas question pays, ce n'est pas question intérêt peuple qui a défendu vrai à travers la Montana. Je dis à Fritz Jean qui est plus favorable. Qui est plus favorable pour des négociations bilatérales entre lui-même avec le pouvoir réel en rien que tu as des négociations multisectorielles qui t'a gagné Montana, qui t'a gagné Pen, qui t'a migré, qui t'a gagné différents membres de la société civile qui t'a venu chita sous table pour négocier avec Ariel. Et c'est ça que c'est hier. Le Brian Sikol rentré, il décide de la rencontrer avec différentes structures. Tout le monde te attend. Non, non, rencontre là, il a invité, bien entendu, Fritz Jean. Yo invité Steven Benoit, yo invité membres bureau suivi à Montana, yo invité différents l'autre groupes politiques, mais côté problème nan, c'est que nous pas ka invité à la fois Fritz Jean et Steven Benoit pendant que nous invité bureau suivi à Montana. Si après élection Montana, tendez après élection qui fait dans Montana, yo mettez campé bureau qui pour faire négociation, qui pour faire des suivi politiques. Mais là kounye a nous di n'ap chercher consensus. N'a pas cherché un dialogue franc, un dialogue sincère. N'a pas cherché un compromis politique. Mais nous pas qu'à venir ni sur côté nous sortir États-Unis pour ces mêmes nous même encore qui viennent craser structure Montana. Comme Montana, nous pas prendre temps pour nous tendre toute bagaille fini, toute bagaille écrasée. Pourtant des Magali font bois, tête des syndic font bois. Ils ont fini avec question à comme Montana. Parce que Brian Nichols, il rentre dans tout jambe, il vient, il fait appel nominal. Fritz Alfonso, présent, accord nominal, et appel nominal, il rentre avec, il chita, il parle, il négocie, etc., etc. Il sorti. Et puis après, il va rencontrer à part, il va rencontrer différents membres du bureau suivi à Commandana, il va rencontrer avec Magali Komodeni, il va rencontrer avec Ted Syndic ensemble. Alors que Brian Nichols dans le calendrier ou qu'on est rencontré avec différents monde qui fait partie de l'accord Montana de bureau suivant ou programmé pour rencontrer avec Fritz Jean pour Col et puis après pour rencontrer avec deux monde ça mais là dedans tu gagne Steven Benoit qui t'a supposé venir comme Steven Benoit il pas de car venir il t'a empêché yo obligé rencontrer avec Magali Komodeni avec Ted Syndic sans Steven Benoit ça veut dire là yo gagne tant bon bagaille à régler en bas table avec Fritz Alphonse.
Yo gen tan gwo bagay y ap regle en bas table avec Fritz Alphonse. Est-ce que yo pral retirer Ariel Metel ou bien est-ce que yo pral entendre yo là pour gen yon cohabitation politique? Mais en vérité, si kou a passé, si kou a passé, c'est pas un succès lié pour Montana parce que Montana prend coup. Nèg yo tape Montana jodi an la, ou senti gon certaine agressivité le Magali Komodo n'y a parlé parce que rencontre yo avec Brian Nichols li pa pote aucun résultat, yo pa avancé. Montana pa avancé, Fritz Jean ka avancé nan démarche pal, mais encore Montana rete sous place. Encore Montana pa sorti la rive là parce que négociation yo même yo te vle son négociation avec un pouvoir bicéphale côté a bon président a bon premier ministre à président c'est moun qui te élu nan encore Montana mais jusqu'à date là moun sa yo qui constitue communauté internationale là moun sa yo qui a dialogué avec Kelte Montana Kelte Pen Kelte Gré avec Ariel Henry c'est ça yo vle pour faire. Donc là, c'est la fumée qui vient mettre caille dehors. Jovenel Moïse, te baille toute l'attitude pour te négocier. Vini chita avec. Non, y'a pas chita avec Jovenel. Y'a pas de chita avec Jovenel Moïse. Et à cette époque, où te gandre Michel qui te dans la rue, où te gagne neg SDP, où te dans la rue, qui t'a chauffé béton, y'a pas chita, y'a pas dialogue. Jodi an la, mon cher, neg sa yo tellement fait sous nan pied blanc. Neg sa yo tellement niché boîte blanc. J'ai l'impression même les pieds blancs ta senti mayas nèg sa rap dou son parfum nan pied blanc. Tellement politiciens haïtiens yo mesquin, yo sousou, yo toujours tête à tête, c'est pas une question pays k'ap défendre, c'est question ti intérêt particulier nèg yo ap défendre. Et nan moment ki sa ki doit faire? Ki sa ki doit faire parce que blanc li même li gen agenda politique li pour Haïti. Blanc gen agenda, li gen calepin, li gen calendrier, li gen temps dressé, mais qui ça ka fait, mais comment la fait? Ou tande Abdou consensus politique, ou tande Abdou problème haïtien solution haïtienne, mais en nous sérieux. Si c'est problème haïtien solution haïtienne, mais pour qui ça retire scénario nan coin? Yo voye nèg yo nan coin tant qu'on pile fatra, tant qu'on pile déchet, yo pas besoin. Parce que jodi an yo dou en Haïti, yo pas reconnaître nan moment là gon ordre constitutionnel. Si États-Unis, si communauté internationale pas reconnaître tire Sénat, pas reconnaître que nous gagnons des monde qui légitimement dedans pays. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire dans moment là, nous pas sous aucun ordre constitutionnel. Question gen parlement en Haïti, gen sénateur en Haïti, ça c'est rance, OK? Ça c'est rancier parce que yo pas connaît existence nèg sa yo. Kounya, si nous besoin font l'autre forme politique, si nous besoin font politique qui inclusive vraiment, c'est garder qui est qui acteur qui plus influent dans politique là, dans société civile là, dans différents autres domaines en Haïti, suivez bien pour eux. Est-ce qu'on va faire appel avec jeunesse? Ou est dans tout dialogue, toute concertation, ou est aurait les jeunesse, ou est on fait appel à la jeunesse, yo pas besoin, yo seulement besoin groupe moun qui ka kembe statu quo. Qui a toujours géré question influence États-Unis, géré influence communauté internationale, dans tout ça qui gagne pour avec décision et pas domination, yo sou Haïti. Parce que dans moment là, c'est blanc qui a décidé. Tout le monde, même politicien, ça a fait tête passé et comme faux nationaliste, ils ont dit, oh, yo pas vle blanc, yo pas vle blanc entrer dans le pays, yo pas vle intervention militaire, etc. Mais coup blanc vini pour négociation, pour consensus, li pare le yo, tout enragé, tout a poussé comme tout fâché, etc. Mais gros problème, ou pas nan blanc, pas nan blanc net. Ou pas nan blanc, pas nan blanc, ou pas kap kriye si blanc pare lo, ou pas kap kriye si blanc pa invito, ou pas kap kriye tout si blanc pa reconnaître légitimité, pa reconnaître valeur en dedans pays. Valeur, c'est ça fait jodi an la. C'est nous même qui pour commencer bataille pour nous pas prendre des séries de modèles politiciens de green gauche, des séries de nèg. Tout ça ou vin faire dans politique, c'est l'argent. Tout ça ou vin jouer dans politique, c'est immunité. Vin tirer privilège, vin prendre avantage. Pour yon gen machine officielle, yon kapase cocaïne, qui kapase zam, y'a fait tout mauvais trafic de dans pays. Et puis, pi devant les blancs humiliés, yo, les blancs fin humiliés, yo, fin rejeté, yo, yo pralman de peuple pral la rue avec yo, bla violer souveraineté pays. Alors que yo même au préalable, yo te commencé avec même pratique là. Ah, yo grave, situation grave en Haïti. Bagay yo compliqué. Et je dis là, Brian Nichols, li gagne pour le rencontrer avec différents moun qui fait partie de classe patronale là, qui fait partie de secteur économique là. Eh bien, yon l'autre bord.
au niveau du département d'État américain, il y a secrétaire d'État Anthony Blinken. Hier, pendant que Brian Nichols a rentré en Haïti, il y a même eu une conférence de pression. Ils ont évoqué un ensemble de mesures qui prend contre des dirigeants, contre des acteurs politiques en Haïti là, qui ont accointance avec gang, qui a financé bandits en dedans pays. Ils ont pris un ensemble de sanctions. Mais question à poser, est-ce que couper visa nexayo, est-ce que c'est ça véritablement qui sont sanctions? Là, nous connaissons qui quantité l'argent nexayo volé pour payer al serré dans pays blanc, al serré États-Unis, al serré Canada, non pas quelque pays. Jodian la véritable besoin peuple haïtien, c'est pour t'attendre communauté internationale ça prend des décisions pour geler compte nexayo. Mais bagay ka pour long, bay ça yo, geler compte nous son long procédure il y est. Entre temps nèg yo, y a bien temps changer l'argent sur notre compte, faire des virements sur notre compte. Bloquer visa nèg là, couper visa nèg là, visa son coûte aussi. Mais ça m'a le dit pour autant que nèg là, tout est fluent si tu gagne, elle pas toujours, l'a toujours gagne. Ça qui ca déranger nèg yo, c'est l'entente des département d'état américain dit, li pral décision a toucher famille proche moun sa yo. Kounya lè on commencé dit a couper visa. Il a prévoqué résidence madame petite te gen États-Unis voyez ou Haïti ba yo le sa kounye ou pral soti nèg sa yo au moins soti yo commencé frapper par décision qui prend contre yo mais pour yo personnellement c'est pas une sanction parce que c'est madame yo petite yo voyez caché à serré aux États-Unis à serré dans le pays et puis yo même yo là sous sol là yo là en Haïti yo continue militer yo continue voyez zamba ti jeune derrière barricade yo continue créer stabilité en dedans pays yo continue alimenter violence et sécurité en dedans pays couper visa yo pas en véritable sanction mais attaquer famille yo couper visa famille yo révoquer retirer résidence famille yo proche yo petite yo madame yo c'est ça qui touche nèg yo dans zo et en dedans palais national là gagne un paquet de bruit qui courir les bouts de couloir qui dit que gagne actuel secrétaire général palais Josué Pierre-Louis, semblerait qu'il était sous liste pour nous prévoquer visa. Gagné ancien député profane Victor, qui t'a censé sous liste pour nous retirer visa. Parce que c'est tout le temps de Nexa. C'est tout le temps de non profane dans la question de trafic. Je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la dixième fois. Non. Mais pas jamais aucune sanction qui prend contre lui. Non. Jodi an ki sa nou bezwen en Haïti, nou bezwen réformer la justice. Nou bezwen mete kanpe yon justice ki fort. Nou bezwen mete kanpe yon justice kote malere, malerez, kote petit soyet, la n'importe moun nite a ki victime, n'importe moun nite a ki subi, yo ka ale pote plainte pou moun nan. Pa les gros nèg, pa les tinèg, c'est ça nous besoin de justice. Et puis d'ailleurs, gon paquet compatriotes haïtiens, gon paquet moun ki nan diaspora, tout, gen américain, gen moun ki nan même gouvernement américain qui a voyé zam en Haïti. Haïti tout non pas soi. Faut gen des décisions qui prend zam, c'est la caillou zam yo sorti nan liberté violence en Haïti. Faut au moins yon prend disposition pour yon gérer question et pour la caillou. Faut au moins yon ka contrôler ça. Et qui ça veut nous comprendre? Si États-Unis dit vle aider Haïti tout bon dans question trafic d'armes, dans question insécurité, violence qui gagne là en dedans pays. Y a un bagage qui bien c'est pour commencer fait. Zame yo la caillou sorti. Moun ki voye zame yo c'est États-Unis yo. Sou ke bon moun ki voye en Haïti, li te met voye un chargeur zame. Depuis l'illégal faut arrêter lui. Li te met voye un green cartouche 9 mm. Depuis l'illégal faut arrêter lui. Ou arrêter, c'est pas Kembel la caillou non. Haïti le fait tort là, c'est haïtien le fait tort là. Voyez en Haïti vinn goûter sa pénitentiaire nationale. Voyez en Haïti vinn goûter sa détention préventive prolongée parce que yo senti yo tellement à l'aise, yo tellement confortable en Haïti. Si yo arrêté aux États-Unis, c'est pas grave. Y a pour 4 ans prison mais plus ou moins y a senti yo en prison qui en sécurité. Y a senti yo en prison côté droit moun respecté. Comment c'est voyez en Haïti? Et c'est ça, et c'est là nous besoin intervention autorité yo. N'a fait coopération, n'a signé un accord bilatéral avec le pays, mais signé le pour un bagage qui valable. Si on a un accord de coopération avec les États-Unis, non, un bagage qui valable, je dis là. Mande États-Unis, chaque grain nègre, chaque grain femme qui voye des armes, qui voye munitions illégales en Haïti, voyez au bas nous, voyez au bas nous. Voyez au bas nous, vine purger peine, yo, vine juger là, vine condamner là. Parce que l'ESA a commencé à prendre main, yo, pour j'ai autant de prisonniers cap kaba, cap mourir en dedans pénitentiaire nationale. Pour j'ai autant de moun cap tombe, cap victime en dedans pénitentiaire nationale. Par 20, par 10, l'ESA a dit, ah, non, bon, faut poser sous question des armes illégales en Haïti.
Bon, faut poser sous question fait Haïti tourner pas soi, créer plus insécurité, créer plus violence en Haïti. C'est ça nous besoin. Nous mais nous pas besoin autorité toute journée qu'à négocier qui dans boîte blanc. Toute journée qu'à demander blanc faveur, comment qu'à faire me rester sous pouvoir, comment qu'à faire me prendre pouvoir, comment qu'à faire Ariel aller pour mettre, comment qu'à faire me joindre entente avec Ariel pour me cohabiter. Non, bagay ça va petit pays rien. Et matin m'a tendé Magali qui lui même a fait exposer des faits. Après rencontre qui t'ai fait avec Brian Nicholson, m'a posé tête question, est-ce que véritablement monsieur et dame a commandant Nazaire quand tu t'es ensemble pour parler pays vraiment. On dirait que chaque monde dans petit coin par eux après régler les affaires par eux. Chaque monde dans petit coin par eux après régler les affaires par eux. Eh bien on pays pas fonctionner comme ça non. Nous pas qu'à continuer à payer comme ça. En tout cas, matin t'ai gagné Magali Komodeni qui t'a intervenu dans l'émission Magique 9 après rencontre te gagne avec Brian Nicholson. Li extrêmement important pour tendre qui appréhension parce que moi même m'apprend que blanc yo là et nous tendre gagne garde côte qui sous la mer. Eh bien, il a préparé là dans jour qu'a vini pour envoyer mort pas beau qui pour Haïti pour aider nous gérer question choléra. C'est pas seulement ça, tout gagne promesse qui fait pour payer l'achat. M'a invité nous tendez exactement chaque petit grain détail Magali Bral dit là parce que l'important pour qu'on ait qui ça qu'a passé qui décision communauté internationale qui décision États-Unis a prendre dans moment là dans dossier Haïti. Avant qu'il nous avec Magali faut moi dit nous projet rentrer des classes même là nous tendez pendant 2 semaines pas parler sous lit gens amis me connaît qu'a dit oh après Yannick pas parler sur projet rentrer l'école là ça passé et bien m'a dit nous projet à toute bagaille fin setup même là m'pas parler pour 150 timoun mais au moins gagne là des dispositions qui prend pour m'aider maximum 110 timoun et n'attend toute bagaille fin calmer n'attend la rue on reprend activité pour nous donner l'école à pauvre tout bon parce que dans moment Jean Payan est là pas gain parent pral venir avec timoun yo jodi a autant de matin gain barricade après-midi barricade là on ti Jean ka passé ou ka essayer alvaque avec activité et puis là pour retourner barricade piro nèg examen des barricade c'est ça qui fait ou poko ouais rien qui fait mais toute bagaille là toute bagaille c'est prêt c'est tant n'attend bon moment pour me faire distribution bay ti moun yo pour yo ka rentrer l'école là. M'ka kite nou avec Magali. Bay toute attention pour tande exactement qui ça le gagner pour le dire. Bonjour. Bonjour. Bonjour Robertson, bonjour tout panel là, auditrice, auditeur magique. Et c'est un honneur pour nous fonti parler matin, ça va arriver très souvent quoi parce que rarement tout que moi fait interview. Et m'espérer que n'a capable à la fin de conversation. Ça aimerait combien la durée, s'il vous plaît. Bon, une vingtaine de minutes, tout au plus. Merci. D'accord. Merci. Nous bien contents. Dans quel état d'esprit échange avez-vous été déroulé avec M. Nichols, Mme Denis? Et, on parle d'état d'esprit ou bien on parle de rencontre, dans quel état d'esprit, l'ambiance de la rencontre, comment que c'était les échanges? Comme toujours, et mon rencontre qui déroulait de manière très respectueuse, très, très formelle, mais en même temps, en temps convivial, respectueux, comme toujours. Et nous pensons que c'est ça, nous arrivons imposé depuis un an avec tout interlocuteur en Noyo. Et les civilités ont commencé, monsieur Nicole font un long râler sur le travail montant d'affaires qui est formidable, ensemble d'organisations, etc. Et content, rencontrant, civilité normale. Okay. Nous-mêmes, notre époux, nous même état d'esprit. Hein? Ok. Et avec un peu de sérénité, même, nous voulons ajouter une vraie précision au bagage. C'est-à-dire qu'on a toute une excitation, un paquet d'affaires de Brian Nichols à venir. Bon, nous-mêmes, nous, à notre 7e rencontre avec Brian Nichols, il est habitué à dérouler aux gens. Nous t'attendons, nous, que ça t'est déroulé même genre. Ok, ok. Monsieur Jean, pas tout même photo avec ou avec monsieur Syndic. Est-ce qu'il a été rencontré séparément par monsieur Nichols ou pas?
séparément. Okay. Pourquoi? Pas trop qu'on est. Et nous allons essayer ce matin en parler de problèmes pays, hein, de ce qui s'en a fait. Disons nous-mêmes, une délégation de BSA qui a gagné tête syndic, moi-même et Steven Benoît, qui était censé dans la même rencontre. Malheureusement, nous connaissons avec petit problème qui gagnait dans des zones, Steven Benoît, à arriver, rendre tête li disponible pour le présent. Ok. Quels ont été les messages de M. Nichols, Mme Denis? Messages de M. Nichols, les mêmes. Les engagements des États-Unis d'Amérique, il était tenu à annoncer, j'en le dis là, qui nouvelle disposition des États-Unis d'Amérique prend dans le cadre coopération avec Haïti. Je me crois où est communiqué secrétaire d'État Blinken. Nous entendons parler longuement de ça. Mesure qui a annoncé pour très bientôt pour aller des matériels qui a livré pour la police nationale pour qu'elle fait face à pour qu'elle mène des opérations dans des conditions de sécurité pour policiers. Donc des matériels extrêmement sophistiqués. Parce que tu es entré dans le détail qui baille sous blindé ou bien sous matériel. Yo. Pour nous venir sur blindé, armes et munitions, c'est ça? Vous écoutez. Oui. Okay. Oui. Okay. Blindé, armes et munitions pour la police nationale. Et c'est des matériels qui peuvent arriver très très vite et qui mettent des unités de la police là en état de faire face à un ensemble de situations. Vous écoutez. Et il a annoncé tout dans le cadre de coopération contre l'insécurité, ensemble de mesures qu'on entend dire, mesures de sanctions qui prend déjà pour contre une douzaine de monde, d'autres qui peuvent le prendre et d'autres monde qu'on lit à préparer où il prend même sanction ça, à savoir bloquer visa. Mesure qu'on prend dans le domaine sanitaire, il y a vaccin, il y a intraveineux, solution intraveineuse, et aquatab, Clorox, Bokit, Mop, ou on est choléra. Magic 9, tout nous. Nous mettons des Bokit à Mop. Sous 100.9. Donc, il y a Bokit à Mop. Et essentiellement, mais bien on t'a qu'à dire bien un temps spécifique qui fait une fresque de situation hein, et qui surtout est focalisé sur urgence sanitaire là et sur menace choléra risque un million de monde capable de mourir et quantité prisonniers qui sont des cas suspects, le fait que dans des départements, il y a des cas suspects dans des départements qui touchent la République dominicaine. Donc, et la République dominicaine, du coup, que choléra Haïti a mis à risque et impossibilité pour l'hôpital pour y répondre. Vraiment. Donc, c'est le tableau d'une crise humanitaire. Permettez-moi de tourner avec un point. Une douzaine de personnes ont retiré le visa. Et si je comprends bien, et il a dit qui, vous savez qui, et pourquoi? Non, pas pourquoi. C'est des mondes qui ont des relations avec gangs ou qui a alimenté d'une manière ou d'une autre l'insécurité que nous vivons là. Ça, les gens, les publics, tout. Mais, sous mon nom, nous, on a évité les détails. OK. Il y a d'autres listes et il y a un process qui a conduit jusqu'à gel de fond des de concernés. Absolument. Et ça, il y a les tours dans le cadre de résolution 2465, l'ONU qui prend. Et donc, il y a des gels de fond, il y a des mesures plus importantes qui envisagées, mais
et faut pas faire nos illusions, hein, c'est des procédures qui relativement longues. OK. Maintenant, après ces rencontres liens, monsieur Nicole s'est gagné un tweet. On pas fini sous point ça. Allez-y, s'il vous plaît. Sous tout ensemble de mesures qu'a prend pour renforcer la police là. Ça c'est le premier moment et qui c'est ça que nous toujours nous-mêmes mandé. Et dans le deuxième moment dans intervention là, il dit en même temps gain on action rapide qu'a fait là avec le Canada, la France pour que l'ONU genre conformément à demande conseil des ministres là, il précisait pour que l'ONU mettez en place une force multinationale qui pourrait aller rentrer en Haïti. Et une force multinationale qui a venu très très vite et lui solliciter les voix de leaders que lui reconnaît là pour qu'il ait bien expliqué population, situation sanitaire là, urgence là, péril, et puis pour que nous aider à comprendre pour qui ça force la nécessaire là. Alors là nous d'accadio et nous t'es très clair, nous très apprécié premier parti là, appui à la police là, mais voir que le sollicité hein, vu que dans toute rencontre nous on habitué gagner et des conversations très franches, pas jamais des surprises sous conversation yo après. Nous toujours là, voir qu'on a sollicité pour population, la plat, pour accompagner population, pour prendre des précautions dans la question ça. Mais certainement pas là, pour justifier son pral faire, qui pas nécessaire, côté qu'à anticiper, que depuis longtemps, n'a demandé une forme de coopération, si tout engagement te prend, même avec, et nous-mêmes, lors d'une discussion, yo, nous certainement pas arrivé là. Et depuis 10 janvier, où t'es sollicité que t'es une équipe travaille de Montana avec une équipe, avec le ça, c'est Monsieur Mayaten qui était là, où t'es demandé nos réunions t'es gain sous zone pour Monsieur Mayaten contacter nous et garder avec nous et nous-mêmes avec de l'autre expert que nous t'es qu'à solliciter comment renforcer la police. Et ça pas 10 hommes gain suite. Monsieur Mayaten pas jambe by suite à travail ça. Et si nous te fait ça, je dis, hein, nous pas tapons un point ça. Et par contre, voir ça, pour estimer qu'il c'est des voix fortes, il y a là, d'abord, pour essayer dissuader la communauté internationale là. Pour le faire ça, pour le venir faire intervention armée. Et si, et nous souhaiter que, et n'a bien suffisamment de force pour que position ça communauté internationale là retourne sous lui et que ensemble nous continuer travail et dans sens sort déjà annoncé qu'a fait là nous renforcer nous mobiliser policiers qui désertaient parce que pas gagnent monde et pas gagnent confiance en dans police là. Donc bon travail de dépolitisation police là qui pour faire soit à la transformation, la caillou, le déserté, la caillou, parce que yo pas gain confiance les aptounen. En pile policier sauvé, parce que y a prend pression politique. En pile policier sauvé, parce que yo fin sévi contre des gangs. Et puis, yo prend sanction, ou yo menacé yo. Ce sont des membres immédiatement remobilisables à partir du moment où nous créons une nouvelle situation. Nous toujours dit, pas bien aucun problème de sécurité qu'à résoudre sans que pas une rupture des liens politiques, des liens entre les élites, les pouvoirs politiques et économiques de ce pays avec gang yo. Et il y a plusieurs façons que gang ou entretenir gang. Et pas seulement l'activer gang pour aller faire des zones dans la rue ou bien pour aller faire mauvais actes pour qu'à rentrer comme vous-même. Lors à payer gang pour bonne sécurité ou à entretenir gang ou à persister en pile sous gang qui bloquait
et va où là aujourd'hui. Mais il était bloqué déjà. C'est deal financier qui était débloqué. Là c'est deal financier qu'il faut débloquer. C'est payer, c'est entretenir ou pas entretenir gang. Tout ça il mérite sanction. Et nous ajouter tout dans ça annoncé comme mesure. Mais nous disons, il t'a coûté beaucoup moins cher dans le cadre de coopération sur la question insécurité. Que depuis la CAIO, et en particulier Miami River, ils ont été bloqués, ils ont été en action, puis ils ont été inspectés. Ça qui a rentré en Haïti, et c'est de Floride, de Miami River, que la majorité des amis ont entré en Haïti. Bloqué compte en banque. Bloqué visa. D'abord, visa, c'est même pas compte en banque pour le moment. Bloqué visa. Et puis pour ZAM, vous continuez à rentrer dans la quantité ça y a pour rentrer. Hein? C'est un coup d'épée dans l'eau. Donc nous demandons comme mesure que vous-même vous prenez, en attendant que nous-mêmes nous construisons moyens pour nous contrôler les douanes nous, à frontière, nous, pour vous prendre mesure ça la caille. OK. Moi, attendez où. Maintenant, on nous prend la dimension un petit peu plus politique de cette rencontre. Et. Est-ce que après rencontre avec monsieur Nichols là, il est prévu de rencontrer monsieur Henry et dans des discussions politiques et directes? Ou bien est-ce que monsieur Nichols encourage nous faire ça parce que dans tweet li fait a, il a appelé à un consensus pour que gon accord pressé pour résoudre problème sécuritaire et pour aller dans l'élection et construire un meilleur avenir pour pays. Bon, monsieur Nichols pas un médiateur. Je ne sais pas là comme médiateur. Accord que nous avons cherché, consensus que nous avons cherché depuis longtemps. Et le sa pouvoir qui gagne, un pouvoir en place, donc ça dit en dans accord Montana, il y a un comité représentatif de négociation et des secteurs pour les négociations qui accompagne BSA pour toute décision qu'il prend dans ce domaine et tout secteur est représenté. En dans comité ça, les élus de Montana font partie de ce comité, les anciens candidats de Montana font partie de ce comité. Et en dans et comité ça, c'est et comité ça li là pour ça, pour mener négociation et nous gain un an depuis n'a mener négociation. Mais songez un bagage très clair que nous t'ai dit dans la presse après que nous avons fini camper, parler avec M. Henry, qui lui-même, parce que le territoire est à côté, il n'a pas avancé. Et nous disons dans le rétablissement des trois pouvoirs de l'État, il faut rétablir un exécutif bicéphale, dans le but de mettre l'ordre dans le chaos qui est en tête l'État même. Son pouvoir chaotique. Un premier ministre qui a un délai qui passait depuis 120 jours à supposoté et article 149 là était applicable. Il est épuisé, tout pouvoir est concentré dans même. Eh bien, je te dis, il faut ça, M. Henri Campé, parce qu'il ne dit pas dans ça. Après ça, il est venu faire un coup de fil. Et un coup de fil, il est demandé Wichita. Nous dit Wichita, pas pour la parade, pas pour consommation internationale ou nationale, sous évoluer. N'a pas Wichita, sous pas évolué, c'est chaud nous pral bail. Et là, elle te répond, il n'y a pas ni mandat, ni autorité, ni autorisation pour l'aller. Il te utilise le mot autorisation. Et ça le dit où? Et ça le dit où? Mais nous dit dans la presse déjà, ça le dit. Nous te dit, à l'occasion, moi-même personnellement, nous te dit dans la conférence de presse, nous te fait le 30 août à l'occasion de l'anniversaire à Corla. Donc, il dit, il n'y a pas d'autorisation. Donc, et c'est pas nous-mêmes qui vient pour nous avancer. D'ailleurs, le monsieur Henry t'est parlé, et il t'a dit, si tout le monde voulait dialoguer, dialogue est ouvert, tout le monde a un numéro de téléphone. Donc, nous pas pour le prendre. Pressé, c'est pour qui ça? Vous écoutez? Pressé, la baille de non, nous-mêmes n'y pas de conversation ça. Nous t'es juste bien, il t'est juste souligné, et il souhaitait que des manchots, intensifié pour que nous vraiment arriver okay. Vers un consensus. Maintenant, pardonnez-moi. Un consensus, c'est pas absence de consensus qui fait gouvernement
a mené politique que l'a mené et qu'a envenimé souffrance population. Nous toujours dit ça. Okay. Nous pas jamais constitué un blocage pour le gouvernement ça qui connaît là avec le gouvernement la honte après résolution 7 octobre. Ok. Maintenant, il y a des gens qui ont dit et m'a cherché opinion par rapport à l'analyse à justesse ou pas. Et BSA, Madame Denis, Monsieur Syndic, qui aurait été dans une position extrême et quelque part, tu as un rapprochement qu'a fait avec Monsieur Fritz Alphonse Jean qui est plus flexible pour voir comment il a avancé avec Monsieur Henry. Nous t'as des monde faire réflexion ça. Ça le vaut pour Madame Denis. Bon, pas qu'on BSA qui inflexible, qui relaie et Monsieur Ted Syndic. Magali Kobo Denis, pas gon bagay comme ça. Et nous pas, tant qu'on soit bon, un comité représentatif secteur sous question négociation. Nous bon tout ça qu'on donne. Forum politique représenté la donne, plateforme société civile représenté la donne. Et secteur populaire, secteur syndical, et secteur communautaire, socio-communautaire, tout en dedans. Et commission ça. Donc, forcément, comme bon cellule politique que yon confié tâche négociation, parce que yon pas qu'à gagner 20 moun bon table négociation, li vin est cristallisé dans la personne de moun kap négocié. Mais en aucun cas, cellule ça, pas à cas, permet tête li à bien aucune position. Qui c'est par position okay. Que instance Montanayo. Maintenant, perception qui a bail passe non pour avancer avec monsieur Jean, son perception qui est erronée fondée comment on ta analyser nous-même. Pas bien pour faire analyse de ça. OK. Pour faire analyse de ça. Et où est Montana? C'est une vision. C'est un projet pour Haïti avec une feuille de route sans stress. Qui dit si nous arrivons à faire ça. Mais sous qui route pays en pralé, mais sous qui route n'a pas mené, mais au moins pour camper ça et pour faire changer cap, c'est ça lié. Ok, maintenant, on nous prend deux ou trois autres points avant de nous remercier. Où. Et fort, communauté internationale a fait là, et il y a des gens qui perçoivent donc on appuie à monsieur Ariel Henry, premier ministre Ariel Henry. Est-ce que monsieur Nichols a gagné des commentaires li fait sur ça et ou aborder aspect ça ou pas? Le li fait tout le développement de Salpalfer, li bien dit et li dit moi attirer attention nous sur point ça que ça me développe ça me saute expliquer là et m'a poser le question sur ça. Ça ne saute expliquer là yo en aucun cas yo pas constitué un soutien à Ariel Henry qui sont gouvernement provisoire qui était là pour faire élection et qui pas prend disposition pour le faire depuis un certain temps. Il bien dit ça m'a dit là et puis répéter là c'est pas un soutien à Ariel Henry mais son soutien c'est depuis le début et nous dit tout pour un gros pays qui défend démocratie comme ça même si nous pas qu'on a élection nous arrivé là. C'est entêtement partout. Pendant qu'on a demandé consensus là, ou même tout ou inflexible, puisque c'est Ariel Henry, c'est vous le représentez, c'est votre enfant. Parce que pas de bonne consultation qui était faite. Montana, c'était 17 juillet, Montana tenant, et nous tenant hôtel Montana pour première session, conférence citoyenne, nous. Et nous te dit Ariel Henry, ça, nous te well, oui. Nous te dit le blanc fait 8. Pour vous former gouvernement là. Sauter qu'on qui ça qui vont t'appel sont t'appel besoin pour gouverner. C'est Montana où t'as débarqué. Pas pour venir faire gouvernement non. Où t'as débarqué dans Montana pour venir parler à ensemble d'organisations, ensemble de partis qui étaient là, t'as réfléchi pour bail payant, pour bail tête pour offrir une solution. Maintenant, deux points avant nous en fini. Maintenant, il y a des critiques qui disent, bon, Montana, même avec toute l'autre structure politique ici, c'est pouvoir et besoin, là, ils sont omnibilés par le pouvoir.
yo fait preuve d'une certaine insensibilité à faire des sacrifices alors que le pays a la pas foncé dans une crise sécuritaire, dans une crise humanitaire terrible. Réponse par rapport à perception ça ou à lecture ça, madame Meyedou. Moi, je dis, mon yo, yo orchestré chaos qui est là. Ok. Yo, insécurité ça, son insécurité programmée. Vous écoutez. Gang yo fonctionné tant qu'on milice. Yo active yo les leaders yo di yo. Yo fait kagen yo vine contre la bouy, kagen yo perdu contrôle yo. Mais c'est un outil qui créé pour contrôler population, pour contrôler mouvement nous, pour contrôler l'esprit nous tout. Parce que question insécurité hein, vin tourner seule revendication pays en gagne alors que nous connaît quand il fait problème qui gagne dans pays là. Yo occupé l'esprit. Donc c'est pas Montana qui censé gagne outil dans main pour combattre gang pour mener une politique dans pays. C'est justement dans nos souffrances population que n'a cherché consensus depuis quelque temps pour nous t'ka au fond solution. Mais consensus n'a cherché là. C'est pour mettre pays en son autre route. Mais état lié là, il y a monde qui a touché pour yo bay population en service. Nous pas partager responsabilité à personne de dégradation situation ça. C'est pouvoir avec allié en septembre avec allié mafia nationale et internationale qui a entretenu économie criminelle ça. C'est eux-mêmes qui bloquent pays. Montana ni avec un mécanisme, avec des propositions pour débloquer pays. Ok. Dernier. Donc, nous avons une responsabilité partagée. Parti salique. C'est pas consensus. Affaire consensus là, son prétexte. Ok. Son prétexte. Maintenant, dernière question. Moi, ou fait un tweet après demander. D'assistance militaire du gouvernement, ou indiqué gens indignés, et il y a des gens qui font des commentaires en bas de tweet là, et besoin de réaction sur les. Et certains commentaires qui font sur les réseaux sociaux, et des gens qui font des commentaires là. Ils ont indiqué qu'en 2004, il y a une figure qui a goûté contre le président Jean-Bertrand Aristide, et le président Aristide tombé, il y a une force multinationale, il y a une ministère qui l'a, et où tu joué un rôle de premier plan, et où tu ministre dans le gouvernement ça pendant que l'occupation. Comme quoi, il y a des gens qui disent qu'on a une espèce d'amnésie et, ou bien on indignation sélective par rapport à positionnement qu'il y a aujourd'hui. Et Oberson, merci pour la question, hein, mais je vais répondre tout de suite. Pas dans le moment pour me faire aucun procès personnel. Tout le monde qui a cherché, affaibli, on voit qui pas aller dans sens sa situation pays à mandé jodi a li pa besoin de tomber dans piège ça. Ça qui est important c'est jodi a qui gens nous li situation, qui gens nous li expérience et qui gens nous rend tête nous disponible pour pays a passer un ensemble d'expérience. Quand fait toute une émission avant, pas pas entrer là, dans la fin de l'émission, sur ça. Mais tout ça, m'dou, tout ça qui a cherché, fermer bouche, soit faire des forces d'occupation, 2004, je ne pas arriver et une voix. Je ne pas entrer dans jouet ça, qui sont jouets diversion, qui sont jouets métaux en infériorité. Vous écoutez. Psychologique pour capable, pas disponible. Pour qu'à craponner, pour dire jodi a, mes côtés, pays a yé, mais qui j'en, ça yé, et mais qui ça n'a fait. Parce que. De manière factuelle. Pardonnez-moi une seconde. Madame Denis. On va dire ça, si on n'a pas bon temps de garder contexte, yo, garder à qui moment le gouvernement a monté, et à qui moment. Le ça et gouvernement dans cadre
définition des besoins lui-même, c'est en juin. Nous pas pour entrer dans ça là. Nous pas pour perdre du focus moi sur bataille m'a mené hein, pour me garder qui ça qui t'est fait avant, qui ça qui pas fait après pour qu'on y est là, c'est dans ça m'entrer dans situation de défense de etc. Non. OK. Bagaille mouvement ça qui fondé sur reconquête souveraineté que Montana hier n'a c'est un porteur li depuis la commission que nous t'a coordonné qui est les commissions pour la recherche d'une solution haïtienne à la crise, c'est là que moi y en dans mouvement okay. Dans BSA et BSA a pas une position pour contre lui. OK, si bien comprendre, pardonnez-moi une seconde. Une semaine ça de concertation avec les instances okay. Montana. OK, pardonnez-moi une seconde, madame Denis. Si je comprends bien, interpellation que certains monde fait ou lecture que monde gagne par rapport à positionnement dans période ça de l'histoire, participer dans diversion pour affaiblir ou psychologiquement, si je comprends bien? Absolument. C'est-à-dire gon bataille cap mené là que nous estimons qui nécessaire qui c'est nous connaît très bien. Pas bien aucune force étrangère cap vienne résoudre aucun problème. Pour population. Aucun problème pour population. La bon outil respiration, ou nap noyé. La pour lever mon an, ou pas même, ouais, qui m'en kapron lan. On comprend, désespoir, désawa. Mais apprend, l'apprend, li voye le plus loin. Ministre sot fait 17 ans, nous wè sal kite, et nous dit non. Et c'est ça qui principal question. Donc, est-ce qu'on mûrissement intellectuel, politique, qui naît de l'expérience qu'on a fait du temps de débarquement ministre et de sacré mètre 17 ans après, qui fait qu'on a positionnement ça à Jodia par rapport aux forces internationales ou pas? Et je ne vais pas prendre le mûrissement. Expérience. De toutes les manières, son monde, dans le même état de pensée, et de 10 ans, à 60 ans, au bon problème. Même pas prêlé par rapport à sa mûrissement. Moi, je dis, on a une émission sur ça, mais pour le moment, il n'y a pas de bataille, ça. Il n'y a pas de bataille de réhabilité par rapport à une posture d'un moment. OK. Madame Denis, maintenant, dernier point, dernière question. Ça va dire. Tout seul, on a fait, m'a raconté. S'il vous plaît. Le ministre a fait et. Mandé pour militaires haïtiens vinn remettre zam et mouvement militaire qui t'a gagné en 2004 là le ça pral fait il y a deux ministres et sous wal nan photo yo a joine yo il y a deux ministres qui levé campé qui repoussé monsieur ministre qui était bo table là qui était devant table côté militaire ou t'a pral vinn déposer zam. Magique. Et qui dit non. Toute nouvelle sans stress. C'est à l'État haïtien que militaire a déposé les armes et nous pas d'accord pour que c'est à ministre y a le médiateur. C'était ministre de la justice à l'époque Bernard Gousse et Magali Komodeni qui écartait ministre de l'État là qu'à camper pour que dignité soldat nous même si c'est en période côté en pile bagaille qui passe à y t'a fait pour se préserver dignité yo. C'est nous qui allons camper et qui allons recevoir Zam nan nan men yo pour éviter pays la souillure que Wabda des soldats haïtiens qui ont plongé Zam dans le ministère. Bon, à l'époque, c'était des soldats haïtiens ou des rebelles? C'était des rebelles et ancien, des anciens soldats. Anciens, pas trop rebelles. Et l'autre mouvement qui était en 2004, ancien soldats. Ok, parfait. Okay. Merci de préciser. Voilà. Maintenant, la dernière question. Et Madame Denis, pays a un moment terrible. N'a vivli choléra grand goût loc gaz terminal bloqué premier ministre qui monte gaz et 100% sous par rapport à diesel là moun yo en détresse et moun yo en détresse et s'il y a un appel à lancer aujourd'hui au peuple haïtien qui ça lié et d'après vous madame Denis c'est ma dernière question avant moi merci vous quoi aujourd'hui et population en souffrance telle et tout ça décrit yo nous connaît yo
nous tous c'est pas nous toutes des familles qui obligé quitter caillou. Nous toutes des familles qui atterri non sentier en construction avec petit bébé 14 moun, il y a des moun qui sous place publique. Son là est terrible, nous tout a souffri, mais il y a des moun qui a souffri plus toujours. Il y a des moun qui a souffri plus et qui a vivre une situation intenable. Je dis en population qui dans souffrance là, on pas quoi nous gain nous-mêmes un mot d'ordre pour nous bali. Li même dans souffrance li, l'a senti à qui moment li gain pour le faire, ça li gain pour le faire. Nous-mêmes nous gain pour prendre responsabilité nous. Organisation yo gain pour prendre responsabilité yo. Mais on grain bagaille nous t'a dit yo. Relayez voix qui mandé que toute bagaille fait pour éviter intervention ça pour que yo même yo gain un souffle réel qui pas cosmétique côté force a vini gang a replier à tout matériel yo parce que yo pas pral goumer avec force étrangère que yo dit rapide qui bagay pour durer etc. Li pral aller y a redéployer magique 9 mettez ensemble pour mander renforcement parce que l'impossible nous fait travail là nous baillo feuille de route là m'pa vle moi-même intervenir sur ça m'pa spécialiste mais nous travaille avec des experts qui dit tout ça qu'a fait pour en un temps record les forces de la police nationale soient mobilisées c'est yo qui parle pour algoumen c'est yo mouri c'est yo massacré dans le village de Dieu nous imaginez c'est à 5 soldats étrangers que ont été rachés, boulés, ils ont pas joindre pour faire ça. C'est parce que la police a été parée, mais la mission que le pape s'est préparé pour lui, il doit avoir une unité qui est facilement remobilisable pour faire travail là. La police nous a pris un risque. C'est vrai, on va mettre en bémol pour les gens faire répression sous population qui a des revendications, qui est bon pour lui tout. Mais c'est possible parce que aucune force étrangère, sur aucun pays sous la terre, pas jamais résoudre problème peuple. Regardez combien de temps ils ont fait Afghanistan y aller, regardez ça qui a passé pour prendre une raison qui pire sans là. Illusion de respirer pour quelques pour un temps limité. Si c'est pas nous qui installer, qui renforcer, qui installer police communautaire nous pour chaque espace et puis qui sont prêts à le faire dans pour gang yo yo bon étiquette yo parfaitement identifiable à population et gang à sapate là les fond dans population et gang à cravate yo yo fond dans population dans milieu pa yo et même yo qui dans restaurant qui dans bar c'est même yo même dans que yo là mais pendant ma parole avec vous là, service de renseignement, sous pas des moyens technologiques. Pendant ma parole avec vous là, pour me dire un dernier dégui, si vous comprenez bien, c'est son problème au niveau de leadership politique là qui doit changer. C'est gouvernement qui doit changer, c'est premier ministre qui doit changer. Excusez-moi que m'envie une petite clarification sur ça. Non, c'est pas une question de juste changer gouvernement. OK. C'est pas juste changer gouvernement. C'est construit yon l'autre qualité pouvoir okay. Ka bay population en confiance et ka bay institution l'état yo en particulier police nationale la confiance. OK. Madame Denis. Oui. Merci en pile pour petit temps ça ou ban moyen ou ban plus que ça te que ça me t'a annoncé. Passe une bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien ou remé pays ou et puis on agit. Désespoir de machination politique et l'ennemi. Mon éditorial vous dit tout. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sorti lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral faire débat, c'est toujours même Yannick l'en même.